Il fait partie de cette vague de nouveaux élus, arrivés en juin dernier dans l'hémicycle. Bruno Bonnel, député La République En Marche dans le Rhône, détaille sa vision de la politique dans un article que lui a consacré le journal Le Monde, vendredi 30 mars. Le quotidien y précise que le parlementaire qui a battu Najat Vallaud-Belkacem aux législatives est peu présent à l'Assemblée nationale, où il n'a proposé aucun amendement, n'a participé à aucune commémoration à part celle du 11 novembre et répond peu aux sollicitations de ses administrés en circonscription. « Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale, pour les places en crèche ou les logements, allez voir ailleurs », déclare d'ailleurs Bruno Bonnel, estimant qu'il faut, je cite, « sevrer la population des vieilles pratiques ». De toute façon, l'entrepreneur de 59 ans, qui figure parmi les élus les moins assidus à l'Assemblée, se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. « Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre », explique-t-il au Monde, sans cacher ses aspirations pour l'avenir. « Je ne suis pas entré en politique, c'est une étape de carrière ». J'ai dit que je ne ferai pas de second mandat, je ne me représenterai pas, précise-t-il au quotidien, ajoutant qu'il retournera à sa vocation originelle, celle de créateur d'entreprise.